Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un autre tuto qui est à la suite du tuto de activation de votre carte physique sur la DTS Money. Maintenant je vais vous montrer comment dépose de l'argent sur votre carte physique. Alors pour ceci, je ne vais pas utiliser l'argent que j'ai sur mes e-comptes puisque j'en ai pas, mais bien dans mon wallet. Donc là justement, je vais récupérer les 13,30 euros de cet e-compte balance pour les mettre dans ma carte et pouvoir les consommer. Comme je veux, à n'importe où, dans un magasin, dans un Burger King ou que sais-je d'autre, hein, pour un ciné, peu importe. Alors, vous allez dans carte, toujours. Prenez bien votre carte physique, c'est écrit là, hein, physical. Dans mon cas, c'est ma deuxième. Et vous allez faire top up. Quand vous faites top up, bon, vous avez le choix de où est-ce que vous allez prendre l'argent. Ou sur le compte euro. Donc le compte normal ou l'euro wallet. Moi justement, j'ai récupéré ça depuis l'euro wallet. J'ai 13,3. Donc j'aimerais mettre 13,3 dessus. Confirme. Alors, tac, tac, tac. Et là, vous voyez, le transfert me coûtera pas d'argent. Ça, c'est un premier point hyper important. Parce qu'il faut savoir que des transactions habituellement quand même coûtent de l'argent. Et ils vont demander de confirmer comme d'habitude sur le mobile. Donc pas le choix. Hein. Pour pouvoir utiliser la DTS Money correctement, vous n'avez pas le choix. Vous devez avoir l'application sur mobile. Cela, je vais vous filmer aussi mon écran sur mobile. Et donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc vous vous connectez à l'appli. Pour cela, vous tapez comme d'hab votre code à 6 chiffres. Et là, il y a un truc Authorize. Vous faites Authorize, vous retapez votre code à 6 chiffres, et normalement, c'est bon. Et voilà. Donc la carte, maintenant, il y a 13,30 € dessus. C'est complété. Il n'y a plus qu'à l'utiliser où vous voulez pour dépenser l'argent qui a été mis dessus. Donc c'est une véritable institut bancaire, hein, DTS Money, et qui respecte ses engagements, et je trouve la plateforme très bien faite. Et qui fonctionne parfaitement. Je vais pas tergiverser parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue et qu'elle dépasse l'attendu. Donc l'attendu là est terminé, on a déposé notre argent sur la carte, il n'y a plus qu'à la consommer. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous laisse ici, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous voulez apprendre à faire plein de choses, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse là-dessus, à bientôt.